C'est une excellente nouvelle, même plus qu'une excellente nouvelle pour les futurs consommateurs des deux nouveaux diffuseurs de Ligue 1 en ce qui concerne DAZN et beIN Sport pour la prochaine saison de Ligue 1 qui démarre déjà dans un petit peu plus de 2 semaines, soit le week-end du 18 août, avec notamment l'Olympique de Marseille face à Brest et Lens qui se déplacera à Angers, donc tout simplement le retour de notre cher championnat de France. Et DAZN a décidé d'écouter ses futurs consommateurs et les fans de Ligue 1 et ne mettra pas son offre jugée excessive et exorbitante par quasiment tout le monde, puisqu'ils vont écouter ses fans de football, ses fans de Ligue 1 et revoient encore son prix, mais cette fois-ci à la baisse, et c'est une excellente nouvelle pour les fans de Ligue 1. DAZN aurait décidé de baisser son prix concernant l'abonnement pour regarder les matchs de Ligue 1 la saison prochaine. Le nouveau diffuseur de la Ligue 1, après un accord total trouvé aujourd'hui entre la LFP, beIN Sport et donc DAZN, ils ont décidé, dans cette réunion, après cet accord trouvé, de revoir son prix à la baisse pour l'abonnement pour suivre le championnat de France. Au début des négociations et des rumeurs concernant l'arrivée de ce nouveau diffuseur, les prix avaient amené un gros mouvement de tension et un gros mouvement de colère et de contestation suite à un prix exorbitant proposé par DAZN, entre 40 et 50 euros par mois si on prend l'abonnement des deux chaînes DAZN et beIN Sport. Finalement, ce prix a été jugé exorbitant et excessif lors de cette réunion et aussi par les futurs consommateurs de DAZN et de beIN Sport et les fans de Ligue 1. Donc, DAZN a décidé de renoncer à son prix entre 40 et 50 euros par mois sur les deux chaînes confondues et a décidé d'écouter tout le monde et d'écouter les fans de Ligue 1 et leurs futurs consommateurs, puisque DAZN va l'officialiser dans les prochaines heures, ne l'a pas encore fait pour son prix final, mais ne tarderait pas à le faire puisque la tendance est très positive. Il faudra débourser seulement 10 euros pour un abonnement annuel et 15 euros pour un abonnement sans engagement pour regarder la Ligue 1 sur DAZN. Donc vous n'aurez pas à débourser plus de 40 euros pour DAZN et vous n'aurez pas à débourser plus de 50 euros pour les deux chaînes, puisque beIN Sport, certes, eux, ne bougent pas, ne changent pas son offre, reste seulement à 15 euros par mois pour un seul match de Ligue 1 cette saison. Mais déjà, ça sera déjà peut-être encore élevé, mais moins exorbitant et moins excessif. Et moins problématique pour vous, puisque vous n'aurez qu'à débourser peut-être 20 balles maximum si vous prenez que l'abonnement annuel plus les 15 euros de beIN Sport. Vous n'aurez qu'à débourser 20 euros grand max. Si vous prenez pas beIN Sport et que DAZN et un abonnement annuel, seulement 10 euros. Si vous prenez DAZN et pas beIN Sport mais un abonnement sans engagement, seulement 15 euros. C'est déjà une excellente nouvelle. Je les remercie. La LFP et tous les parties prenantes d'avoir écouté, d'avoir accepté les contestations de tout le monde, d'avoir pesé le pour et le contre et d'avoir jugé à nouveau le prix et de l'avoir baissé à un prix stable pour tout le monde.